Le farfadet rencontre l'enfant qui souhaite retrouver sa sœur, la princesse indienne, qui a été enlevée par le monstre. Un peu plus loin, il rencontre le cochon. Le cochon dit: Je sais pourquoi vous êtes là. Si vous désirez passer, répondez à cette question. Un non-voyant, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il ne peut pas, petit A, parler. Petit B, il ne peut pas voir. Et petit C, il ne peut pas entendre. L'enfant répond: il ne peut pas voir? Eh bien, bravo, vous pouvez passer. La vache boit son lait avec la petite. Ils arrivent près de la vache et de la petite. La petite demande: Comment attirer l'attention d'un malentendant? Ben, en se mettant devant, ils peuvent passer. Ils s'arrêtent devant le chiffre 2 et le serpent. 2 leur demande: Montez en haut de l'arbre magique. Ils montent en haut de l'arbre magique. D'abord le farfadet, qui finit par disparaître. Et ensuite l'enfant. Ils apparaissent dans les cités d'or, où ils voient Spider-Man. Spider-Man qui leur court après. Et finalement, Spider-Man abandonne. Le farfadet et l'enfant arrivent devant la princesse chinoise. La princesse leur demande: faites un vœu. Fait le farfadet: nous voulons retrouver la princesse indienne. À peine ils avaient dit ces mots que nos deux héros se retrouvent devant la pyramide d'or à côté du monstre. Le monstre court après le farfadet. L'enfant profite de rentrer dans la pyramide et il ressort de cette pyramide avec la princesse indienne. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche... J'espère que cet épisode vous a plu. Maintenant, laissez-moi vous parler de la civilisation disparue, les Mayas. Les Mayas est une ancienne civilisation de Mésoamérique, principalement connue pour ses avancées dans les domaines de l'écriture, de l'art, de l'architecture, de l'agriculture, des mathématiques et de l'astronomie. C'est une des civilisations précolombiennes les plus étudiées, avec celle des Aztèques et des Incas. À l'époque précolombienne, les territoires correspondants actuellement à une partie du sud du Mexique, au Belize, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. C'est une des plus anciennes civilisations d'Amérique. Ses origines remontent à la préhistoire et les premières constructions mayas ont été datées du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Leur niveau de développement le plus élevé et la période classique, entre le 6e et le 9e siècle de notre ère, avant d'être rapidement abandonné entre la fin du 8e et du 9e siècle. D'autres cités survivent, ou se développent alors dans les basses terres du nord, ainsi que dans les hautes terres du sud, avant d'entrer en décadence, puis de disparaître peu après la conquête espagnole au 16e siècle. Voilà, c'est fini. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or.